Club du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. On connaissait le célèbre verset « Ils n'ont plus de vin, de Marie à l'endroit de Jésus ». Depuis quelques jours, on peut ajouter « Ils n'ont plus de pain », constat des consommateurs du Togo à l'égard des autorités des boulangeries du pays. Bonjour et bienvenue au D12. Si à Cana, le fils de l'homme avait transformé l'eau en vin, qui pour approvisionner suffisamment les usines de fabrique de pain et les rayons et paniers des revendeuses des marchés? Jamais auparavant le pain n'a coûté aussi cher au Togo et son volume aussi réduit. De tradition depuis des années, le pain de 100 francs CFA était resté le plus accessible et le plus populaire. La conjoncture économique a compressé la pâte. Le gouvernement va-t-il finir par sauver la filière et avec elle tous les secteurs de notre économie? Cette semaine, les autorités étaient contraintes à de nouveaux sacrifices. Elles exonèrent de la TVA plusieurs produits importés ou vendus au Togo. Parmi ces produits, certaines catégories de lait, de l'huile ou encore de la farine de blé. En outre, le gouvernement a procédé à la réouverture des frontières. Deux ans durant, ceux qui ont pu traverser les frontières du Togo ont dû, comme des athlètes, faire diverses acrobaties, dribbler les gardes ou payer d'obscurs droits de passage. La fermeture des frontières du Togo était dictée par la vague de contamination à la COVID-19, une pandémie qui avait entraîné aussi la mise en place d'un état d'urgence sanitaire. Que va devenir bientôt cet état d'urgence sanitaire? Finira-t-il en état d'urgence sécuritaire? En effet, dans la nuit du 10 au 11 mai dernier, des dizaines d'hommes armés ont attaqué des positions avancées des forces de défense et de sécurité. Ceci dans la localité de Pipakandi. 8 soldats togolais avaient trouvé la mort. Et la question était de savoir combien dans le camp des ennemis. Cette semaine, le ministre de la Sécurité a apporté une première réponse. Par des sources bien informées, il y a une quinzaine de morts dans le groupe des assaillants. Ce qu'ils ont pu faire, c'est de transporter rapidement les corps de l'autre côté de la frontière où ils ont été inhumés, a assuré le général Yak Damhana. Tout Togolais doit se sentir concerné, a lancé le ministre. Et manifestement, de nombreux Togolais se sentent concernés par l'agression subie par l'opération Kundouaré. Ainsi, les partis politiques, les uns après les autres, ont démontré leur solidarité dans le combat contre l'extrémisme violent et incité le gouvernement et les forces armées à protéger le pays. C'est le temps de l'union sacrée. Un passage de l'ancien hymne du Togo disait bien que si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre dans nos rangs pour nous exploiter. Cet hymne commençait par « Hécatombe, tout mauvais esprit qui gêne l'unité nationale ». Comment réaliser alors cette unité nationale pour mieux combattre les mauvais esprits qui se tiennent aux portes du Togo? Plus encore, comment construire un vaste mur autour des territoires au sein de la communauté de l'Afrique de l'Ouest? C'est une question qu'on peut-être poser aux candidats des examens du Togo. Cette semaine, ceux du Bac 1 ont lancé la série, mais à quoi sert réellement le Bac 1? Notre invité du jour est le président Aimé Gogué de Hadi. Nos numéros sont 96 50 34 37 et puis 110 43 09 70. L'émission est mise en onde par Vincent Lasbouga. Koudouyor, Aimé Gogué, bonjour. Bonjour Pierrot. On vous a perdu de vue, ça fait des mois. Non. Peut-être une année et plus, nous avions appris qu'en réalité vous avez voyagé. Où étiez-vous? J'étais au Canada, ça fait. J'ai fait environ 20 mois. 20 mois? Oui. J'étais parti pour 2 mois, mais compte tenu de la crise de COVID et des difficultés de visa, j'ai préféré attendre pour faire toutes les formalités avant de revenir. Ça s'est bien passé? Oui, globalement oui. Globalement oui, mais vous m'avez beaucoup manqué. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que le pays vous a manqué? Certainement. À mon âge, où j'ai vécu longtemps dans le pays et puis je suis très actif au niveau politique, c'est très difficile de rester à l'extérieur. Je pensais tout le jour revenir, mais évidemment, il y avait des contingences qui m'ont obligé à rester plus longtemps que prévu. Nous parlerons sans doute un peu de ce séjour canadien, mais il y a cette curiosité qui est togolaise, carrément, et beaucoup disent que le pays, c'est pas un bon pays en réalité. Beaucoup pensent que le Togo ne fait pas bien vivre ses concitoyens, mais une fois que les Togolais sont à l'extérieur, ils ont tendance à se souvenir, à avoir de la nostalgie pour le pays, ils veulent rentrer. Non, comment comprendre ça? Non, quelle que soit l'origine de votre pays, chacun aime son pays à fond. Avant de détester son pays, il faut vraiment que quelque chose y arrive. C'est comme les gens adorent leur famille, quel que soit le niveau de richesse de la famille, quel que soit les gens qui la composent, chacun se retrouve très bien dans sa famille. Je crois que sur ce point de vue, c'est la même chose. Même si au Togo, ça ne fait pas bon vivre, il y a beaucoup d'indices qui l'ont indiqué, mais chaque Togolais désire rentrer.
Il y a certains qui sont partis réfugiés parce qu'ils ont eu, ils ont été pourchassés dans le pays, parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas le pays. Au Canada, est-ce que vous en avez rencontré des Togolais qui ont quitté le pays, ça fait un bon bout d'années? Bien sûr, bien sûr. Il y a des Togolais qui ont quitté le Togo il y a très longtemps, depuis la crise, depuis le début des années 90, même avant. Il y a d'autres qui sont partis plus récemment, mais il y a beaucoup de Togolais à l'extérieur. La communauté togolaise, la diaspora togolaise est composée de plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'ils pensent du Togo? Qu'est-ce qu'ils pensent du Togo? Chacun veut et tous, beaucoup d'entre eux aimeraient revenir. Même ne serait-ce que qu'en vacances, revenir visiter les parents, les amis, se remémorer leur jeunesse, leur enfance. Mais parfois c'est difficile d'avoir à cause du coût de la vie, mais aussi à cause de l'insécurité qui règne. Du fait que vous savez, vous vous rappelez qu'il y a eu certains Togolais de la diaspora qui sont rentrés et qui se sont retrouvés en prison pour des raisons qui ne sont pas nécessairement justifiées. Les Togolais, on les sent très attachés à leur pays. La preuve, quand vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi ce constat-là. Visiblement, un certain nombre de ces Togolais-là sont déconnectés de la réalité, du terrain. Déconnectés, c'est trop dire. Vous savez, lorsqu'on est à l'extérieur, parfois on est très exigeant. On est très exigeant. Ce qui est normal, hein, c'est qu'il faut construire le pays. Il faut être exigeant pour que nous puissions avoir des résultats très, très probants. Il y a des Togolais qui sont ici, qui sont au Togo, qui sont aussi très déconnectés de la réalité togolaise en fait. Donc je ne sais pas s'il faut dire que les gens sont déconnectés de la vie togolaise, plutôt qu'ils ont des approches différentes pour les solutions à trouver à nos problèmes. Ce que vous avez rencontré par exemple, quelles sont les approches? J'ai rencontré plusieurs personnes. Comme au Togo, tout le monde insiste sur l'unité de l'opposition. Je pense que les responsables politiques de l'opposition sont les responsables de ce qui nous arrive. Il y a beaucoup de Togolais qui vivent au Togo qui ont les mêmes idées, ce qui est totalement erroné. Oui. On va vous souhaiter un bon retour alors. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez ramené des cadeaux? Parce qu'il y a aussi cette actualité liée au retour au pays, à l'aéroport par exemple. Oh. Il semble que les choses sont de plus en plus taxées. Est-ce que vous avez amené des cadeaux et que ces cadeaux soient taxés à l'aéroport? Non, je n'ai pas eu ce problème. Mais il faut reconnaître sur ce point... Dans beaucoup de pays, il y a des franchises. Lorsque vous voyagez, vous revenez, on vous donne une certaine franchise. C'est-à-dire que vous avez des éléments que vous pouvez amener sans payer de droits de douane. Au-delà de ça, vous payez des droits de douane. Donc ça, c'est certain. Mais ce qui énerve, c'est d'abord... Toujours le problème, c'est la citoyenneté au niveau du paiement des taxes. Aussi longtemps que les agents, les citoyens ne savent pas ce qu'on fait avec l'argent ou bien ne sont pas contents de l'utilisation des ressources publiques, il y a toujours des problèmes. Donc le fait d'exiger que l'on paie des taxes sur ce qu'on ramène à partir d'un certain niveau, c'est normal. Mais le problème, toujours, les gens protestent lorsqu'ils pensent que les ressources collectées par les services financiers, les régies financières, ne sont pas bien utilisées. En ce moment, il y a des protestations, ce qui est normal. Je reviens à ma question. Si vous n'avez pas eu de problème à l'aéroport, cela peut supposer que vous n'en avez pas ramené beaucoup, ces cadeaux-là. Non, pas nécessairement. Bon, disons pas beaucoup. Un homme politique togolais n'est pas nécessairement riche. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de problèmes causés aux passagers. Ça, je n'ai pas senti. Je n'ai pas senti quand je suis arrivé. Peut-être que plus tard, ils vont commencer par les appliquer. Puisque même il semble que ces mesures existaient auparavant. Ça n'a pas raison. Quand vous dites qu'un homme politique au Togo n'est pas riche, ça doit faire rire dans certains milieux. Puisque certains pensent que c'est en s'engageant politiquement qu'on peut se faire un nom et se faire une belle fortune. Ça, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Non, c'est plutôt... Moi, l'expérience montre que c'est plutôt le contraire. Bien, merci. Nous allons continuer et c'est en continuant par évoquer les difficultés qui, visiblement, sont énormes depuis quelques temps. Et la triste nouvelle de l'enlèvement au Mali d'un Togolais en compagnie de trois religieux italiens est venue assombrir un peu ce tableau-là. Comment est-ce que vous réagissez à cette nouvelle? Non, ce n'est pas cette nouvelle seulement, c'est la situation générale avec le terrorisme, le mouvement des terroristes qui a frappé il y a quelques semaines le Nord Togo. C'est dans ce cadre qu'il faut mettre ça. Je crois que c'est un problème très préoccupant, il faut que nous occupions. Le problème d'enlèvement des citoyens, le problème d'attaque des
en tout cas des terroristes dans les villages, sur les populations civiles, c'est très préoccupant pour nos pays. C'est ça une source d'instabilité et une contrainte majeure au processus de développement. Lorsque la population ne se sent pas en sécurité, il va de soi que c'est difficile de mener des politiques qui vont permettre le développement du pays. C'est fortement regrettable, surtout qu'on ne connaît pas nécessairement les vraies raisons qui les motivent. Je crois que il faut que le gouvernement se penche sérieusement sur ces problèmes. Oui, justement, sur les questions des motifs, on en parlera peut-être. On ne comprend pas qu'à un moment donné, d'autres Noirs s'en prennent à d'autres Noirs. Il y avait une époque où ce qu'on appelle les terroristes avaient pour cible les hommes à la peau blanche. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de confusion là. Sans pas confusion, il faut chercher à savoir pourquoi certaines personnes décident d'utiliser des voies, de ce type de voie pour avoir des ressources. Nos pays, vous savez, c'est très complexe. Je ne pense pas qu'il faut parler de Noirs ou bien d'autres races par rapport à nous. D'abord, ils ont réussi à recruter des gens. À recruter des gens qui mènent ce type d'action dans les pays. Il y a plusieurs raisons. Lorsque vous êtes dans un pays où le taux de pauvreté, l'incidence de pauvreté est très élevé, et sans pas ça nécessairement encore, lorsque des gens se sentent exclus du système de production ou bien du système de répartition de richesses, lorsque des gens pensent qu'ils sont martyrisés et sans nécessairement de bonnes raisons, lorsqu'ils pensent qu'il y a iniquité dans le traitement de la justice, alors ça devient très difficile. Lorsqu'il y a partisanerie dans le traitement des affaires judiciaires, ça facilite ce type d'action des populations. Ce type d'action des gens qui sont prêts à enlever ou à tuer des populations pour s'accaparer des richesses. Beaucoup font ce lien-là entre tout ce que vous venez de décrire, la pauvreté, l'injustice ou l'exclusion. Beaucoup expliquent la situation. Est-ce que c'est véritablement le cas également au Togo? Puisque on sait quand même que... Non, ça doit être le cas au Togo. Lorsque... C'est certainement le cas au Togo, parce que lorsque vous voyez dans ce pays où les chefs, prenons le cas des chefs cantons, ils sont nommés sur des bases. Pour être chef canton, les gens quittent des partis politiques pour aller à UNIR. C'est totalement injustifié. Lorsqu'on fait un concours pour recruter 2000 personnes, il y a 40 000 candidats. C'est préoccupant. Il y a plein d'exemples qu'on peut donner ici. Lorsque la fonction publique est totalement politisée, lorsque une grève des enseignants se traduit par, même s'il y a eu des erreurs de la part des syndicats, on arrive à expulser, à renvoyer des enseignants, etc. Je ne les excuse pas, mais c'est très facile pour des gens de faible moralité de s'engager dans ce type de voie. Et lorsque vous êtes un parti politique et vous avez des problèmes avec quelqu'un du parti au pouvoir, vous savez a priori que vous avez 90% de chances d'avoir tort, vous allez chercher, vous pensez que c'est bon pour vous d'avoir que des gens créent des problèmes au gouvernement. C'est fortement regrettable qu'au Togo, d'ailleurs, il y a plein de gens, certaines personnes ne croient même pas à l'attaque des terroristes. Certaines personnes pensent que, ce que Yap dit, des gens pensent que c'est bon ce que les terroristes font. Mais c'est très grave lorsqu'on arrive à ce point. J'ose espérer que les gouvernements et l'armée vont prendre conscience de cela. Lorsque les gens commencent par manifester et les militaires les réprimandent, les tabassent, comment voulez-vous que cette population puisse fournir les informations appropriées aux forces de l'ordre pour qu'ils se préparent pour des attaques? Je suis sûr que cette attaque les a pris par surprise. Mais il est possible que si on avait un service de renseignement véritablement basé sur la sécurité du territoire, peut-être qu'on aurait pu avoir des informations nécessaires. Peut-être que l'armée aurait pu avoir des informations nécessaires pour mieux se préparer. Lorsqu'on dépense de l'argent, non pas pour des renseignements pour la sécurité de la population, mais peut-être pour surveiller un homme politique, si je vais à Dapon, ils sont bien informés que Gogué va dans tel village, discute avec telle personne, c'est ça qui va assurer la sécurité de la population? Non. Ce qui s'est passé, c'est dans une région que vous connaissez sans doute, Pepacandi. À quoi ressemble cette localité-là? Moi, je ne la connais pas. Bon, c'est une parole. Vous savez, Koundioré, c'est là où il y a le plus important centre de marché de vente de bétail.
De Sastanjore et Kundjore n'est pas une zone très riche, c'est dans le Kandjal, l'une des préfectures les plus pauvres du pays. Et je ne sais pas combien de fonctionnaires, combien d'agents travaillent dans le secteur moderne, s'y retrouvent tous. Une grande partie, c'est dans le secteur informel. Donc la pauvreté y est très élevée. Ensuite, lorsque vous voyez le processus d'élection, tout ce qui se passe là-bas, c'est fortement regrettable. Et la population n'a pas le moyen de manifester ses sentiments. Donc vous ne pouvez pas avoir ce type de comportement et vous attendre à ce que... C'est fortement... C'est des choses que moi je regrette beaucoup. Mais... Et quand vous parlez de cette région-là, vous dites que c'est une région assez pauvre, mais à l'échelle nationale, le Togo est relativement un pays pauvre. Il y a des pauvres parmi les pauvres. Mais enfin, c'est ce que vous pensez. On a écouté quand même un certain nombre de réactions depuis que cette attaque a eu lieu. On a constaté quand même également qu'il y a une sorte d'unité nationale qui se dégage. Non, ça c'est certain. Lorsque quelque chose arrive comme ça, c'est normal qu'on partisse d'abord avec l'armée et surtout les familles qui ont connu des décès, des blessés, etc. Ça c'est normal. Moi, ta première réaction, c'est ça qu'on a. Surtout qu'on ne connaît que les causes. On ne voit pas que ce soit une solution, l'attaque ou attaquer les militaires, tuer les populations, tuer les militaires, ne constitue pas nécessairement une solution au problème. Ça, c'est évident, c'est normal que nous puissions, la classe politique puisse s'entendre sur ça. Mais en même temps, comme je le dis souvent, moi j'ai appelé mes militants, j'ai appelé la population à faire des efforts pour surpasser les rancœurs qu'ils ont vis-à-vis des forces de défense, de sécurité et vis-à-vis des gouvernements. Des gouvernants pour pouvoir aider à ce qu'on lutte efficacement contre ce fléau. Mais en même temps, il faut interpeller le gouvernement pour qu'il change. On ne peut pas continuer à assurer, à penser pouvoir assurer la sécurité de la population ou bien l'intégrité du territoire national en se comportant comme le régime se comporte. C'est totalement impossible. Vous ne pouvez pas martyriser vos populations et espérer que cette population vous accueille à bras ouverts pour assurer sa sécurité. Non, ils vont penser que leur sécurité, à tort certainement, que leur sécurité se retrouve avec les terroristes. Vous semblez décrire un terreau fertile pour l'expansion du terrorisme. Oui. Mais en même temps, on sait que quand les terroristes interviennent, ils ne font pas de quartier. On ne sait pas qui est civil, qui est militaire, de telle ou telle partie politique. Non, généralement, ils font attention. Au début, ils sont malins. Au début, ils essaient d'attirer les mécontents du système vis-à-vis. Eux, ils ont beaucoup de moyens, ils vont acheter les gens, etc. Donc c'est ce comportement qu'ils ont et les gens pensent que c'est une bonne chose pour eux. Mais ça c'est à court terme. À long terme, ils vont perdre. Les jeunes qui vont avec eux, leur porte de sortie, c'est quoi? C'est généralement la mort. Mais à court terme, ils ne s'en rendent pas compte. Mais il faut que le gouvernement fasse plus attention à cela. Vous parlez du gouvernement et vous parlez du gouvernement, vous insistez là-dessus. Je rappelle que vous, personnellement, vous êtes originaire de cette localité, oui. La région des Savannes. Quelle va être votre contribution, par exemple? Vous aviez dit êtes en train de parler à vos militants. Oui, mais la population, oui, c'est tout ce que moi je peux faire. C'est sensibiliser les gens sur le danger de tomber dans les bras des terroristes en pensant que c'est eux qui vont apporter une solution au problème. Mais en même temps, je leur dis qu'ils doivent lutter véritablement contre ces agents des forces de l'ordre qui les martyrisent, contre ces gouvernants, contre les chefs traditionnels qui ne veulent pas du tout respecter les règles, les lois du pays. Parce que c'est eux qui commencent le problème. Après, on accuse la population, mais c'est eux qui doivent respecter. Si la population se sent en paix, sent qu'il y a une justice correcte, il va de soi qu'ils ne vont pas avoir la tendance à s'adonner, en tout cas à se laisser corrompre par les terroristes. Vous pointez du doigt également la responsabilité ou la position ou la désignation des chefs coutumiers. Oui, dans votre zone là-bas, oui. Est-ce qu'il y a spécifiquement un problème lié à ce type de désignation? Mais bien sûr, partout. Je vous dis que pour être chef, les gens sont obligés de démissionner de leur parti politique pour être en tout cas du parti unique. Mais où est-ce qu'on voit des comportements de ce type? C'est totalement inadmissible. On doit laisser les gens et les chefs. C'est pour une communauté, c'est pour traiter les problèmes d'une communauté, qu'ils soient du NIR, d'ADI, du LFC, d'ANC, ou bien du CAR ou de DMK, on s'en fout. Le seul problème, c'est qu'ils règlent les problèmes de la communauté.
et les problèmes fonciers. Vous savez, c'était terrible ce pays. Aussi longtemps qu'on ne s'attaque pas à la justice, en tout cas qu'on n'ait pas une justice correcte, et que les forces de défense et de sécurité qui sont là pour protéger les populations ne se comportent pas correctement parce qu'ils pensent qu'ils sont en terrain conquis, mais c'est terrible. Il y a beaucoup de choses à faire. Les rapports entre les forces de l'ordre de sécurité et les populations ont conduit les autorités dans un passé récent à initier un certain nombre d'actions, pour renforcer les rapports entre les civils et les militaires. Vous vous rappelez par exemple, il y a eu les journées portes ouvertes consacrées. N'importe quoi, qu'est-ce que ça n'a rien changé. Lorsque vous êtes dans un poste, je suis d'accord, hein, lorsqu'il y a des checkpoints, qu'on fouille les gens qui passent. Mais à quoi ça sert de les faire marcher sur de longues distances? Ça a l'air d'être des actions punitives. Non, ça se passe où? C'est récent. Moi, je viens de Dapan. J'ai quitté Dapan le mercredi. Oh, l'attaque a eu lieu la nuit du mardi à mercredi matin. C'est récent, ça. Moi, je viens de quitter Dapan. Non, ce que vous pointez du doigt ou ce que vous savez dénoncer. Je viens de... On vous a fait marcher, vous? Non, moi, non. Ben, des gens m'ont dit ça. Mais en fait, ils ont voulu me faire marcher parce que, ben, malheureusement, heureusement, j'avais la prise de goutte, donc je ne pouvais pas sortir du... Non, ça se passe dans, à quel niveau? Sur la nationale? À quel niveau? Non, dans les villages. Dans les villages. Oui, dans les villages. Au niveau des checkpoints. Oui. Est-ce que aussi c'est pas pour peut-être lutter justement? Non, moi je vous ai dit à priori que c'est normal qu'on fouille. C'est normal. Vous venez, vous êtes en moto, on peut vous fouiller, mais vous reprenez votre moto, vous partez. Vous reprenez votre moto, vous partez. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va dissuader les terroristes s'ils veulent faire quelque chose? Non. On peut éventuellement... Ils peuvent marcher aussi. On peut éventuellement déceler justement à cette checkpoint-là. Oui, non, on peut déceler. À travers la démarche, par exemple, d'un terroriste, peut-être. Bon, je vous espère, c'est ça. Bon, peut-être que je ne suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression que c'est plus pour punir les gens que pour trouver une solution. On a pensé longtemps que le terrorisme ou le djihadisme, ça dépend de comment on veut l'appeler, et c'est des phénomènes qui sont très éloignés de nos frontières parce qu'il y a quelques années encore, on entend parler de ce type d'attaque en Afghanistan, et en Irak, en Syrie, et puis récemment, au nord du Nigeria, et puis au Mali. Et puis on sait que le Togo s'est engagé, ou le Togo s'engage fortement sur les théâtres de ces combats contre le djihadisme. Est-ce que le Togo n'a pas raison, justement, d'envoyer ses soldats pour éventuellement... Non, je crois que c'est une bonne chose que ce soit une affaire que l'Afrique de l'Ouest prenne ça au sérieux, qu'il s'engage, que les pays même s'engagent. Nous sommes là dans le cadre des Nations Unies. Mais je crois que l'Afrique de l'Ouest, le G5 Sahel, c'est une bonne chose. Mais il faut que les pays ne s'entendent pas toujours à un soutien des pays occidentaux. Nos pays doivent eux-mêmes faire beaucoup d'efforts pour reconnaître que c'est un problème qui intéresse toute la sous-région et mettre leurs ressources à la disposition. Il est possible que nous n'ayons pas suffisamment de ressources, mais on doit faire beaucoup plus d'efforts dans ce sens. Je disais tantôt qu'après cette attaque, on a constaté un certain nombre de réactions, et parfois même certains pensent qu'il y a eu des réactions hypocrites. Et parmi toutes ces réactions qu'on a notées depuis la survenue de cette attaque-là, le pouvoir essaie d'apporter un certain nombre de réponses, mais plus concrètement au niveau des partis politiques, notamment ceux de l'opposition. Un appel, par exemple, ensemble, peut-être, est-ce que ça ne donnerait pas un peu plus de poids? Non, c'est possible. Une réaction signée par tous les partis politiques. C'est bien possible. Je crois que certains ont demandé cela. Mais compte tenu du fait que c'était urgent, des partis politiques ont réagi. Beaucoup de partis politiques de l'opposition ont réagi, si vous faites attention. Mais peut-être que ce serait après que nous ayons réagi individuellement. Peut-être qu'on puisse faire quelque chose, une autre commune. Peut-être que ça aurait aidé. C'est vrai. Mais beaucoup de partis individuellement ont réagi, compte tenu de l'urgence de la situation. On a constaté qu'ailleurs, les grandes puissances ont peiné, ou continuent pas à peiner, pour venir à bout de ce phénomène-là. Le Togo, on le sait, c'est un petit pays, visiblement, avec un peu de moyens. Est-ce qu'au-delà du Togo, il ne va pas falloir penser cette lutte-là
dans une sous-région beaucoup plus. Non, c'est ce que je suis d'accord avec. Je suis totalement. Avec des échanges d'informations. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Ce n'est pas un problème que des pays individuellement doivent régler. C'est un problème régional et je crois que la CEDEAO devait mieux s'intéresser à ça. Beaucoup plus s'intéresser à ça. Et c'est ce que je disais. Les ressources, les renseignements, les hommes, etc. On devait mettre un peu plus. On devait faire plus attention. Ça a commencé au Mali. Maintenant, le Burkina et le Niger sont totalement impliqués. Le Tchad également. Le Tchad, bon, c'est un peu. Il y a le terrorisme, il y a les rebelles, à toi, ceux qui luttent contre le gouvernement. Ensuite, maintenant, ça descend. La Côte d'Ivoire en a connu, je ne me rappelle plus en quelle année, au Grand Bassam, là, vous vous rappelez. Ouais. Le Bénin en a connu il y a un mois et demi. Le Togo, maintenant, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Le Ghana, peut-être, etc. La crainte, c'est que les villes côtières ne soient pas les cibles de ces terroristes-là. Parce qu'on sait, quand vous évoquez Grand Bassam, c'est déjà la côte. Oui. Et... Non, c'est pourquoi je pense que les gouvernements doivent prendre ça très au sérieux et former une coalition contre cela. Merci et beaucoup. Savoir que ce n'est pas seulement par les armes qu'on peut résoudre ce problème. Mais tout le monde le sait. Mais en même temps, est-ce que nos pays ont assez de moyens vu la crise économique? Non, je vous dis que ça... Vu la crise économique, pour par exemple lancer un certain nombre de chantiers, notamment la construction des écoles, des centres de santé, et trouver du travail à des jeunes ou les occuper. Est-ce que la conjoncture s'y prête? Non, c'est question de priorité dans le pays. Depuis, vous n'allez pas me dire que depuis 2005, il n'y a pas eu de moyens de construire des écoles, qu'il n'y a pas eu de moyens de faire des forages dans ce pays, qu'il n'y a pas de moyens de trouver de faire plus, beaucoup plus pour les emplois dans ce pays. Non, c'est question de priorité dans les gouvernements. Il faut qu'ils soient conscients de cela, il faut qu'ils s'y attellent. Ils sont là pour répondre aux préoccupations des populations. Certains pays se s'en sortent bien, d'autres non. Presque tous les pays ont des difficultés. Même dans le monde, même les États-Unis ont des difficultés, même la France, même l'Angleterre, etc. Donc, c'est question d'être conscient, de faire des priorités et savoir que les ressources publiques, c'est pour résoudre les problèmes des populations. Nous allons changer un peu de rubrique. Probablement que d'ici la fin de l'émission, on reviendra sur la situation qui a été créée à Pepa Kamdi, en rappelant aussi que depuis cette attaque-là, d'autres pays comme le Mali ou le Burkina Faso n'ont cessé de déplorer les attaques presque au quotidien sur le sol. Nous allons prier pour que ce qui s'est passé à Pepa Kamdi soit la dernière. Bien sûr. Changeons donc ce registre-là pour évoquer une situation qui paraît à nos yeux exceptionnelle. Je voudrais parler de la conjoncture économique. Vous, on sait que vous n'êtes plus tout jeune et durant votre vie sur cette terre, est-ce que vous avez déjà connu une telle situation, celle que nous sommes en train de vivre? Bon, je me rappelle qu'il y avait eu la famine des années 70-77, là où Sakomi est sorti. Vous vous rappelez? On a parlé de 77. Oui, Sakomi. Bon, c'était très sérieux. Mais maintenant, c'est un peu plus généralisé. Je crois qu'actuellement, c'est très sérieux. Et j'ose espérer que ça ne va pas durer actuellement. Avant, c'est en 77, il y avait l'histoire de la sécheresse. Maintenant, il y a le changement climatique, plus ce qui arrive en Ukraine, et qui aggrave un peu la situation. Et la reprise économique dans les pays, dans beaucoup de pays du monde, qui fait que le coût de l'énergie a augmenté, c'est beaucoup plus sérieux actuellement. Je demandais si vous avez déjà connu ce type de situation, parce que quand vous sortez par exemple dans les rues de Lomé, actuellement quand vous arrivez à plusieurs carrefours, vous constatez qu'il y a un phénomène nouveau, celui de la mendicité. On a constaté quand même que beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents mendient à ce carrefour, ce qui n'a jamais été souvent le cas au Togo. Donc c'est nouveau. Non, c'est nouveau. Ça a pris beaucoup plus d'ampleur, ça. Surtout que comme j'étais parti et puis je suis revenu, donc c'est un peu plus frappant. C'est un peu plus frappant et moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes depuis mon retour. Et comme solution, c'est de partir. Veulent quitter le pays. Ils veulent quitter le pays. Mais c'est terrible le nombre de jeunes qui veulent quitter le pays. Je crois qu'on peut chercher, on peut essayer de vérifier rapidement des statistiques en allant au service des passeports pour voir combien de jeunes, ou bien quel est le nombre de demandes de passeport qu'il y a actuellement. Il y a certains qui sont bloqués parce qu'ils n'ont pas d'argent pour faire leur passeport. Donc c'est très sérieux ce qui arrive actuellement.
En tout cas, nous prions Dieu que la saison soit meilleure et qu'ensuite le gouvernement soit un peu plus responsable dans la recherche des solutions pour les populations. Là, si vous, vous êtes, si vous nous, ce que vous nous révélez là, oui. C'est vrai qu'il y a quelques années, on a constaté à l'approche de jeu, là, le télévisa des Américains, on a constaté quand même une explosion des demandes de passeports. Ça s'est passé depuis là, mais ce que vous dites là, sans doute que les autorités sont au courant. Non, ils sont au courant puisqu'ils voient les statistiques. Ils savent combien de gens demandent des passeports. Ils savent. Ils savent, ça ne semble pas sorcier. Ils sont mieux informés que nous. Ils ont ces informations plus facilement. Non, mais en fait, les gens veulent quitter parce qu'ils n'ont plus aucun espoir. Aucune vision. Ils n'ont pas d'espoir du tout. Tout est bouché, ils n'arrivent pas à trouver du travail. Combien de gens passent de congé? J'ai 17, j'ai envoyé un tuto aujourd'hui. Lorsque je suis arrivé à l'aéroport, il y a un jeune qui m'a aidé. Et à la fin, je demande, mais qu'est-ce que tu fais? D'abord, il est titulaire d'une maîtrise de gestion. Il fait son stage dans une société d'État. Ça fait 3 ans, on ne lui donne rien. Rien. C'est quand les gens mangent, le personnel les donne un peu à manger. Vous vous rendez compte? On passe un concours il n'y a pas longtemps pour l'administration publique. Je crois qu'on cherchait 2000 agents. Il y a 40 000 candidats. Ça ne préoccupe ni le ministère de la fonction publique, ni le ministère de l'éducation nationale. Parce que s'il y a 40 000 candidats pour 2000 postes, ça veut dire que l'éducation n'est pas nécessairement adaptée au monde du travail, aux besoins qu'il y a. Donc ça devait les préoccuper pour beaucoup plus faire le zéro en renvoyant des enseignants qui font des grèves. Vraiment, c'est choquant. Ce type de déplacement des intérêts ou bien des interventions de l'État, c'est très préoccupant. Ça. Donc, vous voyez, c'est des choses qui doivent nous faire réfléchir. Et la population togolaise doit savoir qu'ils doivent bouger un peu plus. Si vous dites qu'un certain nombre de jeunes, je ne connais pas le nombre, mais qui sont préoccupés par l'avenir, qui veulent carrément quitter le pays parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont plus d'espoir. C'est inquiétant parce qu'on sait que les autorités font des efforts, multiplient un certain nombre de projets. Quel projet? Sur le plan agricole, par exemple, on a entendu un certain nombre de sigles, vous n'en avez pas, mais dites que... Les sigles, est-ce qu'on a fait les évaluations pour savoir d'abord comment ces projets sont exécutés, comment le suivi, quels sont les critères? Et certainement, vous verrez encore qu'il y a beaucoup de politisation dans ceux qui vont profiter de ces projets. C'est terrible. Pour vous, le problème, c'est la politisation. La politisation est exagérée au Togo. C'est véritablement exagéré au Togo. Au niveau des recrutements, au niveau des promotions des gens, au niveau du traitement de la justice. C'est exagéré. Bon, j'ai un enseignant qui a été expulsé, qui a été renvoyé. Pour quelle raison, je ne sais même pas. Il était en permission et on dit qu'il était en grève. C'est quelqu'un qui a été... Je ne sais même pas. Il a dénoncé un moment qu'il y avait un problème d'eau. Vous voyez souvent sur les plateformes, je suis sûr que vous l'avez vu, sur les plateformes, les problèmes d'eau dans la région des savanes. Ils ne sont pas seulement dans la région des savanes, mais on a montré. Le gars a publié des photos il y a longtemps et c'est fini, il est opposant. C'est quelle histoire ça? Quelqu'un ne peut pas dénoncer qu'il y a des problèmes dans ce pays. Le Togo n'est pas le seul pays au monde où il existe des problèmes. Mais dénoncer un problème, ça veut dire qu'il faut conscientiser les gens pour savoir qu'il y a un problème et trouver des solutions. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'accuser. Et voilà, ce gars comme ça a été expulsé de la fonction publique. Alors qu'il était en permission, le jour des grèves. C'est normal? Ça se passe chez vous là-bas, d'abord? Je n'ose pas dire, mais ça se passe au Togo, chez nous. Au Togo. Vous étiez parti pour parler? Pas loin de chez moi, mais... Je ne connais pas votre village, mais je sais que vous êtes... C'est là où le ministre Tiédé a fait de très belles déclarations. Mais il y a eu cette déclaration aussi que certains ont trouvé curieux. Vous n'étiez pas au pays, sans doute que vous l'avez écouté. Comment vous l'avez reçu, ce type de déclaration? Comme beaucoup de Togolais, c'est totalement irresponsable. Il ne peut pas dire que toute une région, les gens passent le concours, ils ne réussissent pas, ils font des quoi. Ils interviennent auprès des responsables pour les faire aussi. C'est grave. C'est totalement irresponsable. Ça veut dire que les concours n'ont aucun sens. D'abord, ça, et puis ensuite, c'est manquer de respect à ceux qui passent le concours. Et c'est sur moi qui l'a déclaré ça. C'est Nano. Ah, vous êtes Nano. Voilà. Mais maintenant, ce qu'il a dit, le ministre, c'est irresponsable ce qu'il a dit, selon vous. Oui.
Mais est-ce que c'est réel ce qu'il a dit? Non, je ne pense pas que ce soit réel. Non, je ne pense pas. Lorsqu'il y a des concours, vous voyez qu'il y a des gens qui... Vous espérez. Je sais que beaucoup d'UNIR sont intégrés dans la liste, mais je crois quand même que... J'espère qu'au moins 50% des gens qui sont sur la liste ont véritablement travaillé et ont réussi. Mais Antoine de Fonds, ce qu'il dénonçait, c'est la question du niveau. Oui, mais le niveau est généralement bas, pas seulement dans la région de Savane. Et puis, bon, je sais que dans certains domaines, il y a des problèmes. Bon, je ne connais plus la situation actuelle puisque je suis parti, je n'ai pas suivi ça. Mais à un moment donné, il y avait peut-être un ou deux professeurs de maths pour toute la région de Savane. Vous pouvez croire ça? Toute la région, un professeur de maths. Non, mais vous exagérez là. Je n'exagère pas, non, c'est fait, vrai, je les connaissais. Oui, mais en fait, la région des Savanes, c'est quand même... C'est vaste. C'est très vaste. Ça vous surprend. Oui, voilà, mais en fait... Voilà le pays où... Évidemment, je ne veux pas croire ce que vous dites là, okay. Parce que la région des Savanes, c'est la préfecture... C'est cette préfecture. Ah, regarde. Oui. Si c'est cette préfecture, comment est-ce que... Des professeurs titulaires de maths qui ont fait mathématiques, qui enseignent les maths. Pas des ingénieurs ou bien des économistes ou bien des choses qui enseignent les maths. Je dis des professeurs qui ont été formés en mathématiques pour enseigner les mathématiques. C'est ça. Donc, ceux qui tiennent les maths dans votre je ne sais pas combien il y en a. Mais ceux dont je vous parle, c'est, à un moment donné, c'était ça. Mais cela ne veut pas dire que dans les classes, il n'y a pas de professeurs ou il y a... Non, il y a des professeurs qui jouent le rôle, mais qui ne sont pas nécessairement qui n'ont pas formés pour ça. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, je vous comprends. Oui, d'accord. Nous étions partis pour parler de la situation économique difficile dans nos pays, spécifiquement liée à la Covid et à la guerre en Ukraine. C'est l'explication que donnent les observateurs. Vous êtes économiste, je le rappelle. Et quelle est votre explication, vous, par rapport à cette situation que nous qualifions d'exceptionnelle? Non, c'est à peu près ça. Il y a le problème du changement climatique, il y a le problème de guerre en Ukraine. Parce que n'oubliez pas, la Russie et l'Ukraine sont de gros fournisseurs de produits alimentaires. Donc ça impacte, et des engrais, donc ça impacte un peu. Et puis il y a la reprise économique mondiale qui a augmenté la demande des énergies, du pétrole par exemple. Donc ça a fait que le prix du pétrole a aussi beaucoup augmenté. Il y a la crise de la Covid qui est passée aussi par là, etc. Et puis les politiques économiques. Dans beaucoup de pays, des mesures ont été prises pour soulager le poids de cette crise sur la population, dans d'autres aussi. Nous parlerons de ces mesures qui sont prises notamment au Togo dans un instant, mais la question que les populations se posent, c'est jusqu'à quand cette situation? Parce que c'est une situation que personne n'a vu venir. Personne n'a vu venir, c'est un peu trop dire. Je crois que des gens... Quand je dis personne n'a vu venir, il y a 3 ans, personne ne peut prédire personne ne savait qu'il y aurait la guerre en Ukraine. Ça, c'est évident. Et puis, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont bien placés au niveau du changement climatique. Ils savaient qu'il y a des problèmes qui viennent. Je crois que là, également, il faut savoir. Et puis, la gestion des pays aussi, parfois, il faut en tenir compte. La COVID aussi, les gens n'avaient pas totalement prévu les conséquences que cela aura sur les chaînes d'approvisionnement. Ça aussi, ça a beaucoup joué. Parce que le coût des transports des biens a énormément augmenté. Je ne me rappelle pas de combien, mais ça a beaucoup augmenté. Donc ça aussi, ça a permis, ça a donné l'occasion au prix des biens finaux de commenter. Nous allons vous demander de faire cet exercice-là, parce que vous avez deux types de ressentis. Depuis quelque temps, vous étiez entre le Togo et le Canada, vous étiez il y a quelque temps encore au Canada, oui. Vous avez passé plus d'un an là-bas. Le Canada n'est pas exempté de la situation que nous vivons, vous êtes rentré au Togo. Quel est votre ressenti là entre les deux pays? C'est vrai que le Canada c'est un pays industrialisé, c'est un plus grand pays. Mais entre les deux pays, quel est votre ressenti? Non, j'ai senti que là, les gouvernements font des efforts pour répondre aux préoccupations des populations. Ils ont diminué les taxes, ils ont fait des transferts aux populations, ils ont soutenu des entreprises pour qu'elles ne puissent pas fermer, etc. Ça, c'est très net. Et puis au niveau de la santé, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc on sent que les gouvernants sont responsables devant les populations. Mais je me rappelle, il y a des ministres qui ont voyagé alors que les voyages étaient interdits. Ils ont dû démissionner, des ministres des finances dans certaines régions, et dans certaines provinces, ils ont dû démissionner. Donc ils doivent rendre compte aux populations. Mais si, c'est dommage que... Il y a des petits trucs qu'on peut faire, mais qu'on ne fait pas. Il y a
pas eu beaucoup. Je ne sais pas si les entreprises ont bénéficié beaucoup de soutien ici. Non, pas tellement comme là-bas. Les gouvernements ont fait des déficits pour pouvoir, ils ont fait des emprunts pour pouvoir supporter l'économie, pour que l'économie ne s'effondre pas. C'est pourquoi vous avez vu, les économies là-bas ont connu des taux de croissance très élevés après la crise de la COVID. Alors qu'ici, c'est plus ou moins comme la même chose. Avant, ils avaient des taux de croissance d'un 2%. Quand c'est 2%, ils étaient très contents. Mais après la crise, parfois c'est 5%, c'est 7%. Ça veut dire qu'ils ont injecté des ressources dans l'économie pour que les gens en souffrent moins. La question qui peut venir à l'esprit du citoyen lambda, c'est que quand vous prenez ces grands pays-là, c'est vrai que c'est des pays qui ont beaucoup plus de moyens. Mais eux-là, oui. Ils trouvent l'argent où? Ils trouvent l'argent, ils s'endettent. Et puis ils gèrent bien. Si vous savez que dans ces pays, des grands pays-là, les ministres ne gagnent pas tellement plus que les ministres de chez nous. Mais c'est pas possible. C'est incroyable qu'un ministre là-bas ne gagne pas beaucoup plus qu'un ministre togolais. C'est terrible ça. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Non, mais en fait, c'est clair qu'un ministre, oui. Un ministre togolais aussi ne gagne pas beaucoup d'argent. Officiellement, en fait, je ne crois pas qu'un ministre. Non, togolais, officiellement, de quoi? D'abord, il gagne beaucoup. Au Togo? Oui, il gagne suffisamment. Il gagne. En tout cas, la différence entre le salaire d'un ministre togolais et le salaire d'un ministre canadien, mais québécois, n'est pas aussi élevé que ça. Par rapport, si on compare par rapport à leur revenu, et le revenu par habitant de ces deux régions, c'est indicible. Ça, c'est pour les plus grands pays. Vous dites qu'ils font des emprunts et pour soutenir les entreprises, aider les ménages. Au Togo, depuis la survenue de cette crise, quand il n'y avait que la COVID, un certain nombre d'actes ont été posés par le gouvernement. Vous rappelez l'histoire de Novici. Oui. Et vous rappelez également les factures d'électricité où été prise en compte. Depuis, le gouvernement ne cesse de prendre des initiatives. Les dernières ont consisté à exonérer de la TVA un certain nombre de produits. Est-ce que ce que le gouvernement fait là, vous applaudissez ou pas? Bon, disons que pour moi, Novici était une bonne initiative. Ça, c'est évident. Mais quel est le montant? J'ai oublié, je me rappelle plus. Est-ce que ça atteint? C'est autour de. C'était 5 000 francs par deux pour un certain nombre de. 5 000, voilà, 5 000. Vous vous rappelez au Sénégal combien c'est actuellement? C'est vers les 80 000. Pour une catégorie de Sénégalais. Mais au Togo aussi, c'était une catégorie de Togolais. Oui, c'est vrai que c'est aussi une catégorie de Togolais. Non, vous voyez la différence, ça c'est le premier point. Lorsque vous prenez les dernières mesures, donc Novici c'est une bonne chose, mais il aurait pu le renforcer. Deuxième chose, il y a eu quoi? Il y a eu la suspension du remboursement des prêts. C'est ça, non? Des prêts que le gouvernement, des avances que le gouvernement avait consenties aux fonctionnaires, aux agents de parapublic et puis aux retraités. C'est ça. Donc, vous voyez que ça concerne combien de gens? Premier point. Ensuite, c'est limité. Et puis, c'est des fonctionnaires qui ne sont pas nécessairement les moins bien à point, les moins à point que la grande majorité des populations. Troisième chose, le gouvernement a présenté le paiement des taxes de marché. Vous savez combien ça fait? Ce n'est rien, c'est peanuts, comme dirait l'autre. Ensuite, il y a le problème de limitation des prix des produits de première nécessité, de certains produits de première nécessité locaux comme importés. Mais là, je suis très choqué par ça. Je suis très choqué parce que c'est une bonne mesure a priori. Mais vous vous rappelez, lorsque la crise avait commencé, la crise de la COVID avait commencé en 2020, l'ANSAT avait vendu des produits. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous vous rappelez? J'étais très choqué par cette mesure parce que je jugeais ça totalement irresponsable. Irresponsable pourquoi? Voilà un organe qui a pour rôle d'acheter les produits chez les paysans lorsque le prix est trop bas pour pouvoir aider les paysans avec des prix un peu plus élevés. Je ne sais pas si vous suivez.
Ensuite, le vendre lorsque le prix est trop élevé pour permettre aux consommateurs de ne pas trop en souffrir. La crise venait de commencer. On ne connaissait pas l'ampleur de la crise. On ne connaissait pas la durée de la crise. Et vous vendez vos stocks. Alors que c'est maintenant. Vous voyez, c'est maintenant. Si moi, j'avais protesté, j'avais écrit beaucoup d'articles. Et j'en ai parlé à la radio. Je disais que c'est totalement irresponsable de la part du gouvernement. Vous ne connaissez pas l'ampleur de la crise, vous ne connaissez pas la durée de la crise, et vous vous débarrassez de vos stocks. Quand ça va augmenter, quand les prix vont augmenter sur le marché, vous faites quoi? Vous allez faire quoi? Vous n'aurez plus de stocks, et vous allez plafonner les prix, mais comment vous allez faire respecter ça? Ils ont plafonné les prix du maïs, est-ce que c'est respecté sur le marché? Non. C'est maintenant qu'ils devaient vendre, puiser dans les stocks qu'ils ont pour vendre sur le marché, pour faire passer le prix du marché. Nous avons adopté le libre marché. Nous avons adopté le fait de libre entreprise que les producteurs vendent le prix, leurs biens au prix qu'ils pensent juste. Mais vous devez agir en ce sens. Mais je crois qu'ils n'ont plus de stock. Ils ne peuvent plus jouer. C'était une erreur. C'est pas une erreur, c'est une faute. Une faute. Ah oui, une faute, une autre. Mais pas une faute grave. Grave, très grave. Ah, c'est même grave. Ah non, c'est une politique. Mais vous parlez des difficultés que les populations ont pour se nourrir. Vous n'allez pas décréter qu'aux paysans vendez le maïs, supposons que ce soit 1000 francs le bol, vendez ça à 600 francs. Vous devez subventionner ça. S'ils vendent ça à 600 francs, les pertes qu'ils subissent, qui va payer ça? Vous êtes économiste. Oui. Quand nous prenons le cas spécifique du Togo, oui. Tantôt je vous demandais, les Canadiens, ils trouvent l'argent où? Le gouvernement togolais trouve l'argent où pour subventionner, vérifier les recettes. Ils se sont comment dire ça? Ils sont fiers de dire que les recettes de l'OTR ont augmenté, n'est-ce pas? Les recettes de l'OTR ont augmenté par rapport aux prévisions, par rapport à leur objectif. D'un côté, c'est une bonne chose, mais lorsque vous avez ça, vous devez vous occuper des subventions des populations. Ça, c'est le premier point. N'oubliez pas que la communauté internationale a aidé les pays, le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, à donner des ressources à nos pays africains pour les aider à supporter les problèmes de la crise. Et vous savez, chaque mois ou bien régulièrement, le Togo lance des emplois sur le marché monétaire en Afrique de l'Ouest. Donc, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que peut mieux faire. Bien, merci. Nous allons continuer cette émission avec les auditeurs. Maintenant, comme c'est de tradition, je rappelle que notre invité du jour, c'est le professeur Megogé, président du parti politique, a dit les auditeurs ont deux numéros pour pouvoir intervenir dans l'émission 96 50 34 37. 96 50 34 37 et puis sur le 10 43 09 68 10. Ils ont la possibilité, pour ceux qui nous regardent ailleurs qu'au Togo, de laisser leur message sur nos réseaux sociaux. Nous avons un premier auditeur. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Pardon? Félix. Ok. Monsieur le professeur, bonjour. Merci beaucoup. Ok. Aujourd'hui, on parle de la vie chère. Comme vous venez de l'attendre, pour ce qui se passe au Togo, vous l'avez vécu, vous le savez depuis. Et puis, quand vous êtes dans le sujet, vous savez ce qui se passe. Concernant aussi la vie chère, que le gouvernement vient de sortir des mesures qui n'arrivent pas, même, on ne sait même pas si ces mesures-là sont là pour soutenir ce qui se passe. Est-ce que vous, à votre niveau, tant qu'économiste, est-ce qu'on a entouré le pays avec les péages? Est-ce que le Togo a besoin de ça? C'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, vous le savez que c'est la politique qui définit le sort d'un pays. Qu'est-ce que la politique est? C'est ça que nous sommes en train de vivre. Je voudrais parler des élections passées, le 22 février 2020, dont vous êtes le quatrième. Et que vous l'avez déjà fait des déclarations que... c'est-à-dire, on ne sait pas, il faut amener les preuves, les décisions, les élections sont sorties de leur cadre légal. Mais après, si on a appris que vous avez fait une déclaration, on se rend que les élections qui se passent depuis les années 98, c'est ça qu'on avait toujours voté en 2020. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, les élections de 1990 jusqu'à 2020 sont toujours la même chose? Merci. Bien, merci pour les deux préoccupations. La première partie concernant les péages.
Non, je crois en principe, en théorie, les péages, beaucoup de pays instituent des péages pour pouvoir récupérer des ressources pour la réparation des routes, des infrastructures routières. Bon, en principe, c'est une bonne chose. Mais maintenant, il faut voir si, lorsqu'on connaît les états de nos routes, même si, bon, je viens de Dakar, j'ai constaté quand même qu'il y a une deuxième amélioration par rapport au passé. Bon, il y a des ressources. Amélioration par rapport à la qualité des routes. Oui, il y a moins de tout actuellement. Ça se fait plus facilement qu'avant mon départ, je veux dire. Donc, je crois que là, il y a une légère amélioration. Mais les péages actuellement, il y a sur certaines tronçons, ça ne se justifie pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. À quel niveau, par exemple? Oh, je ne me rappelle pas. Bon, si je me rappelle, je vais vous le dire. Mais il y a certains niveaux où ça ne va pas. Ensuite, avec les difficultés qu'il y a actuellement, est-ce qu'il faut maintenir, il faut avoir des péages sur les motocyclistes? Ça, je me pose sincèrement la question, parce que le gouvernement aurait pu prendre des mesures, parce que c'est pu utiliser par beaucoup de gens, dispenser les motocyclistes pour cette période de péage. Ce qui est très grave, même le péage est très mal conçu au Togo. Des gens habitent, je vais dire, pas Togo, Davier. Ils travaillent à Thiévier. Ils sont obligés de payer deux fois le péage, payer à l'aller au retour. Mais généralement, dans certains pays, il y a des moyens pour que les gens qui habitent dans la zone paient moins ou bien, en tout cas, il y a des moyens pour leur soulager les charges. Donc je crois que ça, le gouvernement n'y a pas pensé, il devrait penser à ça. Concrètement, pour ce qui concerne les riverains de ces péages, je ne sais pas les mesures qui sont prises concernant ces riverains-là. Non, il n'y a pas de mesures, ils paient. Pour comme les autres. La deuxième partie de la question, c'est sur la politique. C'est sur la politique. Non, peut-être qu'il a raison. S'il m'a suivi, il devait savoir que j'ai dit que les élections de 2020 sont totalement difficiles. Ce qui s'est passé en 2020, on n'a jamais vu ça. Il y a eu des fautes. Chaque fois, on reconnaît que depuis au moins 98, qu'il y a des fautes. Mais ce qui s'est passé en 2020, ça dépasse tout entendement. C'est pourquoi, à un moment donné, j'ai dit que ce qui s'est passé en 2020, on ne peut même pas dire que ce soit des élections. Donc c'est totalement différent, c'est totalement... Tout ce qui s'est passé, la violence, non, c'est pas possible ce qui s'est passé en 2020. Sur les élections au Togo, on sait que les élections engrangent beaucoup de dépenses en termes de milliards en France et en France CFA. Certains pensent qu'en réalité au Togo, vu tout ce qui se passe, ce serait bien de regrouper les élections, d'organiser... une fois pour de bon, les élections législatives, présidentielles et éventuellement municipales. Qu'en pensez-vous? Oui, non, les élections, comme vous l'avez dit, c'est très cher. Non, si c'est... Beaucoup de pays le font, ils mettent toutes les élections ensemble et ça revient moins cher. Je crois que c'est une possibilité. C'est une alternative à examiner. Moi, je souhaiterais beaucoup pour ça. Parce que chaque année, on fait des élections et ça devient embêtant. Bien, merci. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, c'est Paul. Paul, vous nous appelez d'où? J'appelle de Diaglé. Paul, vous nous appelez de Diaglé. Oui. Oui, allez-y, Paul. Oui, je dis bonjour à notre invité. Bonne arrivée. Bonjour, Paul. Oui. Tout à l'heure, vous venez de parler de la vie des ministres d'Alaire. Quelque part, vous avez été ministre. Et puis, vous avez été député pendant longtemps. Et nous tous, nous connaissons la vie d'un député, d'un ministre au Togo. Mais ce que vous êtes en train de dénoncer maintenant, vous l'auriez pu dénoncer depuis longtemps. Ensuite, vous revenez du Canada, où vous avez passé presque 2 ans, et vous nous dites que ce ne peut pas mieux vivre ailleurs que dans son pays. Mais vous avez choisi de trouver un deuxième pays. Et vous êtes en train de dénoncer également, vous avez constaté que beaucoup de Togolais préfèrent l'étranger. N'y a-t-il pas un problème ici? Ok, je ne sais pas si vous avez bien écouté ma deuxième partie concernant ma vie au Canada. J'ai dit chacun préfère toujours être chez soi. Chacun préfère son pays que l'extérieur. Même si vous prenez des gens qui sont à l'étranger, la diaspora préfère venir au Togo quand ils veulent, comme ils veulent. Je n'ai pas dit qu'on ne vit pas, peut-être on vit mieux à l'extérieur, ils vivent mieux au Canada, mais peut-être ils préfèrent toujours venir au Togo de temps en temps. C'est ce que j'ai dit. Et dans mon cas, j'ai bien précisé pourquoi j'ai traîné là-bas.
élevé, sans pas dire autre chose, sans pas dire que c'est au Togo, on l'a dit plusieurs fois, on a traîné dessus sur les difficultés de vivre au Togo. Ça ne veut pas dire que vous avez des difficultés de vivre au Togo, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas le Togo. C'est deux choses différentes. Deuxième chose, j'ai été ministre, j'ai été député, c'est vrai. Est-ce que j'ai dénoncé ou je n'ai pas dénoncé? Ça, c'est à vous de le savoir, vous ne le savez pas nécessairement. Et puis, lorsque j'étais ministre, je vous dirais que la différence entre mon salaire ministre et mon salaire, j'étais vice-recteur avant d'être ministre, il n'y a pas une grande différence. La différence n'était pas énorme. Bon, si on tenait compte d'autres activités que je menais en tant que professeur, je gagnais beaucoup plus en tant que vice-recteur que lorsque j'étais ministre. Bon, pour les députés, il va de soi qu'on a commencé, ce n'était pas élevé, mais après, ça a été élevé. Actuellement, je crois que les députés gagnent assez bien. Ce que nous avons gagné également. Et je ne dis pas... C'était combien à l'époque? Quand je partais, je crois que le salaire était 1 300 000. Je ne me rappelle pas exactement, mais c'est à peu près cela. Et je trouve que c'est élevé par rapport... Au niveau de vie générale dans le pays. Pardon? Au niveau général de salaire dans le pays. Oui, c'est élevé. Ouais. Je rappelle que vous avez été ministre au début des années 90. Avec, oui, lors de la transition. La transition. Ouais. Ministre de... du plan et puis ensuite ministre de l'Éducation nationale. Merci. Allô? Allô, bonsoir. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Taoufik, allez-y. Taoufik, parlez un peu plus fort. Je voudrais poser une question à l'antenne. Oui. À ce qui concerne l'appelant des réalistes au Togo et surtout sur la déclaration des manières qui accuse surtout les Occidentaux d'être complices. Est-ce qu'il ne faut pas que, au sein de notre sous-région africaine, nous puissions enquêter sur nos présidents aussi, nos chefs d'État? Est-ce que nos chefs d'État aussi ne collaborent pas avec les djihadistes? Parce que ce qui se passe là, vu comment les choses se sont passées, et précisément plusieurs chef d'État, avec la situation difficile, ont voulu appliquer des sanctions au Mali sans les aider à trouver des solutions. Est-ce qu'il ne faut pas que la société africaine se réveille dans ce sens? Merci. Bien, merci. Est-ce que je peux vous poser une question là? Oui. Allô? Malheureusement, il est parti. C'est de savoir comment est-ce que les chefs d'État peuvent se mettre en complicité avec les gens. Ça me surprend. En tout cas, je n'y crois pas. Je ne crois pas. J'ose espérer. Et je ne crois pas que les chefs d'État soient en complicité avec les gens. Ça me surprendrait. Bon, effectivement, les sanctions imposées au Mali, je trouve ça totalement injustifié. Surtout que ça ne respecte pas. Je ne pense pas que ça respecte les textes. De la CEDEAO ni du Luoma. La Cour de la justice de Luoma a d'ailleurs demandé à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de suspendre les sanctions parce que ça ne respecte pas les textes. Donc je crois que c'est totalement injustifié. Il y a une partie de son intervention qui retient sans doute l'attention des auditeurs, c'est cette position des Maliens depuis quelque temps et qui sont carrément en froid avec les Occidentaux. Bon, non, je crois que ce côté, il faut reconnaître quand même que les forces étrangères qui sont supposées aider le Mali à lutter contre les djihadistes sont présentes dans le pays depuis longtemps. Je ne me rappelle depuis combien d'années, bientôt au moins 8 ans, je crois. Hein. Et les résultats sont, je ne dirais pas mitigés, sont faibles. Donc il y a de quoi que les Maliens se posent des questions sur l'efficacité de ce soutien. Je crois que c'est normal, on ne peut pas, c'est légitime qu'ils se posent ces questions et qu'ils pensent que ces forces ont été inefficaces. Ce sentiment, on ne peut pas reprocher ça aux Maliens. Si quelqu'un, un observateur objectif, doit le constater et doit en prendre acte. Deuxième chose qu'on accuse le Mali de rechercher d'autres alliances, c'est un pays indépendant et je crois que c'est normal. Moi, c'est ma position. Je ne pense pas qu'on puisse les accuser autrement. Après, Taoufik, nous retournons au téléphone
Après, Tafika me dit que le prochain auditeur, il est reparti. Vous évoquez cette position des Maliens et on a senti quand même que c'est carrément une position, parfois certains qualifient de brutale, vis-à-vis notamment de la France. Bon, est-ce qu'on peut dire brutale? Vous savez que nous avons l'indépendance depuis 60 ans. Et si vous avez des alliances avec quelqu'un et ça, depuis longtemps, ça ne marche pas, et la France lutte pour ses intérêts, ce que je trouve bon. C'est être humain. La Rochefoucauld avait déjà dit que nous sommes mis par nos intérêts. Mais si le Mali ne trouve pas que ça répond aux intérêts de la population, c'est normal que le Mali proteste. Et je trouve que la France doit en prendre acte et non résister. Parce que si vous prenez ce qui s'est passé au Tchad avec ce qui s'est passé au Mali, il y a beaucoup d'interrogations. On ne trouve pas que la France a été objective. Ça s'est pris sur position par rapport au Mali. Et le manque de soutien, ou bien. Je ne suis pas pour les coups d'État, bon, peut-être ça, on pourra en discuter après. Mais je trouve que le comportement vis-à-vis du Mali, je ne dis pas vis-à-vis de la junte, vis-à-vis du Mali, me paraît injustifié. Bien, merci. Allô? Allô? Bonjour? Oui, s'il vous plaît, c'est toi qui reviens. Oui? Oui. Notre invité a été plusieurs fois candidat. Mais tout le monde a fait de lui. Je me demande, est-ce que vraiment la liste là est au Togo? Est-ce que la course pour côté présidentiel là, est-ce que ça se joue au Togo? Est-ce que je veux savoir. Vous êtes Togolais, vous le savez aussi bien que moi. Et lui? Non, ce serait trop long à discuter. Tout ce que je peux vous dire, peut-être que vous serez surpris. Je ne pense pas que les élections soient le moyen par lequel on peut avoir une alternance en une dictature. Je n'y crois pas, je n'ai jamais cru. Mais je pense que les élections sont une occasion pour pouvoir arriver à une alternance. Mais ça ne peut pas, ça passe à seul. Dans une dictature, ce n'est pas possible. Celui qui organise des élections va gagner. Mais il est possible qu'avec les élections, les forces qui veulent le changement puissent s'organiser pour aboutir après à un changement. On l'a vu dans plusieurs pays, on l'a vu en Philippines, on l'a vu sous Marcos. Bon, mais c'est son fils qui vient de gagner les dernières élections en Philippines, je crois. On l'a vu en Serbie avec Milosevic. C'était une dictature, mais avec les élections, les partis d'opposition se sont organisés pour le faire chasser. Mais ils ne voulaient pas proclamer les résultats dans le bon sens. Donc vous ne pouvez pas penser que vous faites des élections, on va compter les bulletins des urnes, compter entre guillemets encore, et vous déclarer quelqu'un de l'opposition quand il est dans une dictature. Cela, ça ne se fait pas. La question aussi, c'est de savoir si ça se décide ici ou ailleurs. Bon, pour moi, c'est très simple. Hein. Il faut qu'on évite de dire que ça se passe ailleurs. Nous avons le devoir de tout faire pour que ça se passe ici. C'est ma pensée. Et puis aussi, dans la pensée de l'auditeur, vous avez été candidat, oui. Je crois, deux fois, et vous serez au départ d'une troisième candidature. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le parti qui décide. Oui, mais en fait, puisque vous ne croyez pas véritablement à vous écouter... Non, je vous ai dit que je n'y crois pas, mais je crois que c'est une occasion. Est-ce que ce n'est pas une perte de temps pour vous, finalement? Écoutez, nous voulons le changement. Tous les moyens qui peuvent nous amener à ce changement, il faut le prendre. Il y a Gilles Yaouvi Sosavi qui nous regarde du côté de la France et qui laisse ce message. Au-delà du désamour du peuple à son armée, du fait des brimades de la population, les autorités doivent un hommage aux soldats tombés, je crois, et vendredi dernier, un hommage a été rendu à Nipurma. J'ai vu sur les images, effectivement, et quelqu'un qui vous ressemblait. Non, je n'y étais pas. Ah, mais en fait, là, ça veut dire que ce n'était pas vous. Non, ce n'était pas moi. Mais ça n'exclut pas que je puisse me retrouver là. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose que de rendre cet hommage? Non, je vous dis que c'est pour moi, c'est dommage qu'on ait tué des Togolais. Et toute la classe politique était unie pour condamner le geste d'abord et puis pour présenter ses condoléances à ces soldats qui sont morts. Ça, il y a une unanimité sur ça. Mais maintenant, la gestion, ça, c'est autre chose.
Il y a également le message de Rodolphe Nyoranfou. Lui, il nous regarde du côté du Japon. Il dit bonjour, le plateau, le Togo a reçu des tonnes de riz, un don du Japon. Et puis il enchaîne, que pensez-vous? Je n'ai pas compris, mais que pensez-vous à la population togolaise avec la vie chère? En fait, c'est un peu, bon, c'est un peu confus là. Qu'est-ce qu'on pense de ce don? Disons qu'on a des problèmes alimentaires, c'est, à court terme c'est une bonne chose, vous avez des problèmes, on vous aide, ou ça vous soulage, mais évidemment ce n'est pas une solution à long terme, parce que si nous avons des dons de riz, et puis on donne, le prix du riz baisse, ça n'encourage pas la production locale. Allô? Oui, c'est quelqu'un qui revient. Oui, professeur. Oui. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe avec le pays. Pour la politique, oui. On parle de bloc contre bloc. Oui. Aujourd'hui, qui a l'habilité, la légitimité de convoquer ce bloc au niveau de l'opposition? Parce que, au niveau du pouvoir, nous avons un bloc structuré armé. C'est ça. Là. On gagne toujours les élections, mais on n'arrive pas à accéder au pouvoir. C'est ce qui se passe au niveau de l'opposition. Oui. Qui a l'habilité d'appeler ce bloc-là? Quelle a la légitimité? Non, c'est ce que je vous dis. Je vous dis que les élections, c'est une possibilité d'avoir l'alternance, mais ne pensez pas automatiquement que celui qui gagne les élections, comme vous l'avez dit depuis 93, on ne tient pas candidat. Bon, disons qu'on a boycotté. Tout le reste, je pense que nous avons gagné les élections, mais malheureusement, nous n'avons pas eu l'alternance. Donc ça veut dire que il faut que quelqu'un puisse. Je vous ai dit que, comment ça s'appelle, que ce soit aux Philippines ou bien en Serbie, il y a eu, après les élections, il y a eu des mouvements qui ont permis à quelqu'un de prendre le pouvoir. Malheureusement, nous n'y arrivons pas au Togo. Mais il faut que quelqu'un puisse mobiliser. Mais cette légitimité, celui qui peut mobiliser, n'est pas nécessairement celui qui a gagné les élections. C'est possible que celui qui a gagné les élections, celui qui ait plus de voix, soit en mesure de mobiliser les autres pour pouvoir y arriver. Mais on voit au Togo que c'est plus difficile que ça. Donc je crois qu'il faut trouver d'autres solutions. Moi, c'est des idées que j'introduis. Il faut y voir, il faut qu'on y réfléchisse. Parce que si vous reconnaissez que les élections ne vont pas amener à l'alternance, vous ne pouvez pas dire automatiquement que celui qui semble avoir le plus de voix, c'est lui qui va mener le combat post-électoral. C'est un élément, il a un élément très important. Ça veut dire qu'il a le nombre d'électeurs le plus élevé. Mais est-ce que ça seul ne suffit pas? Le fait que nous n'ayons pas pu obtenir l'alternance jusqu'à présent, ça veut dire que le fait d'avoir le plus nombre d'électeurs ne suffit pas nécessairement pour mener la lutte post-électorale. Je sais que c'est nouveau. Réfléchissez-y. Après, vous pouvez avoir mon numéro sur Pierrot et m'appeler pour qu'on en discute plus à fond. Allô? Allô, monsieur Pierrot. Oui. C'est un petit peu bien. Oui. Je vais parler un peu du social et de la vie chère. Bon. Le Togo aujourd'hui est à 25 francs. Qui sont calculés les coûts pour que le minimum soit à 35 000 francs. Et si c'est qui fait, le ministre et le député gagnent 1 million. Par exemple, une chambre, une pièce de Togo, par exemple, le plus moyen c'est 10 000 francs. Mais si celui qui a deux enfants ou deux, trois enfants, est-ce que 35 000 francs, est-ce que ça peut suffire? Si c'est gaz et il gagne 1 million et des bons distances, et les enseignants, si c'est gaz, les ministres peuvent avoir des bons distances et les députés et les groupes ne peuvent pas avoir et que leur salaire soit plus bas. Comment est-ce qu'ils procèdent à cette action? On a compris. Non, c'est trop difficile à répondre. Mais disons que, quand même qu'il faut reconnaître que les salaires sont estimés très bas. Au Togo, ça c'est 35 000. Pour des gens peut-être qui habitent à Gouinvé pour travailler au port, vous voyez ce que c'est que le transport. Ils sont, vous voyez, marcher peut-être c'est bon pour la santé, mais c'est mieux de marcher pour ta santé que d'être obligé de marcher parce que tu n'as pas de moyens de faire autrement.
Et vous savez, ce n'est pas ça seulement. Ce qui est pire, c'est que il y a beaucoup de gens qui travaillent avec 50 000 francs par mois. Et il y en a plein de gens comme ça. Et c'est fort. Avec ça, je ne sais pas si vous pouvez avoir une perspective de fonder une famille, d'avoir des enfants, parce que c'est très difficile. Mais sur quelle base il y a de tels écarts, c'est difficile à, bon, c'est long à expliquer, mais quand même, les écarts sont très élevés dans nos pays par rapport au reste. Dans les pays en développement, hein, que par rapport aux pays développés, ils font des efforts pour que les écarts entre les rémunérations des plus faibles et des plus riches soient un peu plus faibles. Mais parlons des salaires globalement, et quand on prend des pays comme le Togo, dont les populations ont des difficultés pour la plupart à vivre convenablement parce que beaucoup n'ont pas un grand salaire. Cela peut supposer que ces pays-là sont condamnés à ne pas éventuellement flirter avec un plus grand développement dans un avenir proche. Non, la probabilité, oui, parce que si vous payez des salaires faibles, si les salaires sont faibles, il va de soi que la demande globale est faible et il n'y a pas beaucoup de demandes pour les entreprises. Donc ça ne permet pas un développement rapide, à moins que ces entreprises se développent au niveau du secteur extérieur, c'est-à-dire les exportations. Bon, ce qui demande aussi la mise en place de services ou bien de politiques pour les encourager, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc vraiment, parfois même ce que j'apprends, je n'ai pas eu à vérifier, mais lorsque j'ai rencontré des jeunes, ils m'ont dit que parfois c'est qu'on ne veut pas que les entreprises paient des salaires assez élevés au Togolais. On m'a donné des exemples, bon, je n'ai pas eu le temps de vérifier. C'est dommage, même si vous prenez les programmes emploi, formation, non, ça, je m'excuse, de volontariat, je suis dans le, ça n'est pas ça, de volontariat, où on paie des travailleurs ou bien des gens à 50 000 francs CFA par mois, où des entreprises gardent ces gens pendant 2-3 ans, renouvellent les contrats tout le temps. Je ne pense pas que ces entreprises n'ont pas les moyens de payer plus cher. Je ne suis pas convaincu. C'est à voir. Donc, je crois que le gouvernement devait faire un peu plus d'efforts pour examiner les résultats des entreprises, au moins qui emploient ces volontaires pour pouvoir, au moins qu'on puisse les recruter après un certain nombre. Sur la question de salaire, toujours, il y a cette curiosité. Quand on compare le Togo à ses voisins immédiats, notamment le Bénin, par exemple, qui a augmenté le SMIC. Qui est en train de s'apprêter à augmenter le SMIC à 52 000. On se pose beaucoup de questions. Oui, il y a de quoi de se poser des questions. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le Bénin, le SMIC, soit actuellement, je crois que c'est à 40 000. Hein. Ils veulent l'amener à 52 000 et nous sommes à 35 000. C'est difficile de comparer les deux. Et je vous dis, ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait que ça semble être une politique d'avoir des bas salaires. Mais est-ce que ça encourage, je ne sais pas pour quelle raison, est-ce que ça encourage les exportations ou pas? Ça ne semble pas une certitude parce que nos exportations sont dominées par les matières premières. 96 50 34 37 70 43 0 90 96 50 34 37 70 43 0 90 ce sont les deux numéros par lesquels vous pouvez accéder à cette émission et éventuellement soumettre vos préoccupations à notre invité, le professeur Aimé Egogué, le président du parti politique. A dit, disons un mot de votre parti, puisqu'il nous reste 15 minutes pour clôturer cette émission. Et comment se porte le parti? Bon, relativement bien compte tenu des circonstances dans lesquelles nous vivons. Disons, comme je vous ai dit, j'ai fait le tour, je ne suis pas d'accord, je vais continuer bientôt, et dans les autres régions, et j'ai rencontré des GSI. Bon, il y a des petits problèmes, mais globalement, je crois, compte tenu de l'environnement, je crois qu'on peut être relativement satisfait. En Afrique, on sait que quand le président n'est pas sur place, le parti... souffre. Est-ce que c'est également le cas, Adi? Il faut être sincère, un peu oui. Surtout que j'ai un peu duré. Mais heureusement qu'actuellement, avec les nouvelles technologies de l'information, de la communication, ça permet quand même d'être en contact. Mais une absence physique prolongée peut créer des problèmes. Allô? Allô? Bonjour. Je ne sais pas qui revient toujours. Ça me semble que les amis ne veulent pas intervenir. Moi, j'ai de l'admiration à notre invité, c'est pourquoi je veux le questionner. Vous voulez me cuisiner? Il
il a été ministre de l'éducation dans le développement. Est-ce que les ministres ont les mêmes livres pour développer leur initiative? Sinon, il a été ministre de l'éducation. L'enseignement, c'est donc vraiment en ce moment-là, s'il n'a pas pu régler ces problèmes, ça me fait croire que les ministres n'ont pas leurs mains libres. Ça veut dire que c'est inutile qu'on les accuse. Alors, je crois que lorsqu'on est chef de département, on a quand même certaines libertés dans la politique, dans le cadre de la politique globale du pays. Mais lorsque vous êtes là, vous pensez qu'il faut contenter le chef, il va de soi que vous vous limitez vos opportunités. Je crois que les ministres doivent être un peu plus... ils doivent prendre des initiatives. Je crois qu'ils sont là pour résoudre des problèmes. Au moins, essayez de prendre des initiatives. Si vous avez des blocages en ce moment, vous allez... Comme dit l'autre, le ministre, c'était ou bien démission, j'ai oublié le terme de ce gouvernement qui avait dit ça, qui a dit que bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous dégagez. Ah, ok. Oui, quelque chose comme ça. Donc c'est ça. Moi, en tout cas, quand j'étais ministre, j'essayais de faire ce que je pensais était bon. Voilà. Donc je ne sentais pas de contrainte tellement vis-à-vis de mes chefs. Allô? Allô, M. Pirou. Oui. Bonsoir, M. Pirou. Oui. Bonne émission. Merci. Votre nom? Natema. Oui, Natema. Vous nous appelez d'Agoué? Oui. Allez-y. Oui, ce que moi je voudrais dire, c'est concernant la vitesse des élections dont vous venez de parler. Vous savez, dans ce pays, tout. Pagé Adjari l'avait dit, quoi qu'il a fait, il fait beaucoup de choses. Mais on va y revenir au pouvoir, c'est ça qui est un problème. Et comment on ne veut pas que l'opposition accède au pouvoir, c'est ça qui est aussi un problème. Parce que quelqu'un gagne, on prend pour donner à quelqu'un. Vous savez, aujourd'hui là, ce que nous subissons, c'est vrai que la vie est chère un peu partout. Mais la Côte d'Ivoire, le Bénin, à côté de nous. Déjà, ils sont même le Mali, ils sont encore mieux que nous. Vous ne savez pas aujourd'hui là ce qui se passe là, c'est la malédiction. Parce que voler comme un oiseau ou bien voler autrement. On vole les élections. Celui qui gagne, il a gagné, donnez-lui. Mais quand vous volez, vous savez, ça s'appuie. Ce que d'être voulu subir aujourd'hui là, on nous a pointé même. Le salaire est maigre. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Cette année-là, l'année prochaine, ça serait pire que ce que nous voyons aujourd'hui. Monsieur, c'est pas ce que je dis. Parce qu'il ne faut pas truquer. On a truqué depuis le papa et on truque depuis le fils. Vous pensez que ça va marcher? Bien, merci, Nathé. Ça va marcher. Nathéma. Oui, vous n'avez pas de questions. Vous avez fait un constat puisque ce n'est pas la première fois qu'on vous écoute sur cette thématique-là. Oui, c'est ça. Le maître invité même peut faire c'est pour ça aussi. En fait, il nous a suffisamment briefé sur sa situation ou la situation ou le caractère des élections. Il a suffisamment évoqué beaucoup de l'émission. Donc après, on a Téma à Gouenibé. Excusez-moi, c'est Tafik. Oui, Tafik, vous êtes intervenu deux ou trois fois. S'il vous plaît, Tafik, merci beaucoup. Il nous reste une dizaine de minutes. Nous allons parler un peu du parti politique Adi. Je disais tantôt que Adi, sans le président, c'est difficile. Mais bientôt, une nouvelle élection au Togo, les élections régionales. Je ne sais pas si votre parti va participer à ces élections ou pas. Bon, nous allons faire des consultations pour savoir ce que la place compte. Mais a priori, je dirais, bon, je vous ai déjà dit que pour moi, il est évident que les élections dans une dictature, c'est complexe. C'est complexe et bon, l'interlocuteur qui vient de passer, là aussi, révéler un peu indirectement, en disant qu'on vole, on vole, on vole. Bon, que c'est une situation. Mais en même temps aussi, la question se pose de boycott, qu'est-ce que ça donne? Vous vous rappelez, nous avons expérimenté les deux. Et en 93, nous avons boycotté les élections présidentielles. Et Adama est resté au pouvoir jusqu'à la fin. Nous avons boycotté en 93, nous avons participé en 98, 2003, 2005, 2010, 15 et 20. Nous avons vu les résultats, à nous de comparer. Nous avons boycotté les élections législatives en 2002, c'est ça, en 2002. Et c'est là qu'ils ont profité pour changer la constitution
de 92, derrière laquelle nous courons toujours. Nous avons boycotté les élections législatives de 2018 et nous savons ce que ça a donné comme résultat. Donc il faut y réfléchir. C'est difficile de dire que boycotter c'est bon, boycotter c'est, aller c'est bon. C'est très difficile. Il faut y réfléchir sérieusement. Mais globalement, le boycott, je ne pense pas que ce soit la solution. Mais au niveau d'Adi, est-ce que ça va être la position de la base qui sera prédominante ou celle non, du président? Non, pas le président, pas du tout. Si je lutte contre la dictature, si c'est la position du président qui est prédominante, qui sera la décision du parti, ça me paraît une bonne chose. Si prennent une décision avec laquelle je ne me sens pas en forme, je dois me dégager. Il y a la question d'un auditeur, il dit votre invité a demandé les preuves à un des candidats. Non, je n'ai jamais demandé les preuves. Je vais finir de lire le message à un des candidats de l'opposition qui dit avoir gagné sans les demander au candidat qui a toujours gagné. Croit-il qu'avec cette attitude, l'opposition gagnera un jour? Bon, veuillez m'excuser de vous avoir interrompu. Je n'ai jamais demandé de preuves à qui que ce soit. En fait, ce qui s'est passé en 2020, que quelqu'un puisse donner un pourcentage, il exagère. Aucun candidat de l'opposition n'était en mesure, même pas les élections passées, de fournir des PV. Parce qu'on a tabassé nos représentants dans les bureaux de vote, on les a fait sortir par force, on a fait signer des PV en désordre. Sur quoi vous pouvez vous baser pour dire que vous avez... Moi, je n'ai pas demandé de preuves à qui que ce soit. Parce que je savais que les gens ne pouvaient pas avoir des PV. J'ai eu des PV où le candidat du NUR a plus de 100% des voix. Est-ce que ça, on appelle ça des preuves? Ce que j'ai demandé, j'ai proposé qu'on puisse vérifier ce qu'il y a dans les urnes. C'est à votre émission d'ailleurs que je l'ai faite. J'ai proposé une méthode pour savoir les bourras des urnes. Donc, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit d'apporter des preuves, parce que je sais qu'on ne peut pas apporter des preuves. Il y a une curiosité également au Togo, oui. C'est qu'après chaque édition, il y a ce type de débat jusqu'à la prochaine élection. Oui, c'est dommage. Comment arriver finalement à rompre avec ce qui... Non, il faut que la population sache première chose. Le vote dans notre système, ça ne veut pas dire seulement mettre le bulletin dans l'urne. Lorsque les gens croient ça, ben c'est pas possible, on n'aura jamais une alternance. Ils doivent savoir que voter là, ça veut dire mettre son bulletin dans l'urne et s'assurer que ce qui va sortir, ce qui aura sur les PV correspond exactement à ce que vous avez mis dessus. C'est-à-dire vous votez et vous partez, mais c'est pas possible. Vous votez, vous devez être là. Lorsque les membres de bureau de vote sont menacés, vous devez être là pour les défendre. Si nous n'avons pas ça, c'est même pas la peine qu'on ait aux élections. Il y a une dernière question d'un auditeur, Daniel Baragonzoubé. Est-ce que, selon M. Gogué, le Togo a besoin actuellement d'un Sénat? Pour être certain, non. C'est non. Et surtout avec les dispositions que nous avons, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire le président va nommer le tiers des sénateurs. Et dans beaucoup de pays, on prend cette disposition pour s'assurer que certains groupes ou bien professionnels ou bien certaines minorités sont représentés. Mais cela suppose que le président soit objectif, soit au-dessus des partis politiques. Mais dans notre pays, vous savez très bien, le président est très partisan. Donc il va nommer des gens du parti au pouvoir. Donc ça n'a aucun sens. Donc le Sénat, pour moi, tel que conçu dans notre constitution, ça n'a pas de sens. L'Assemblée nationale, ça suffit. Mais est-ce qu'il faut aller aux élections ou pas, ça c'est une autre question. Vous avez passé beaucoup de temps à l'extérieur, et entre-temps au Togo, il y a eu la question du CPC, il y a eu le renouvellement de la CENI. Sur le CPC, quelle est votre position? Vous savez, moi, je n'étais pas là, mais je suivais la discussion. J'ai été surpris que la CPC était... C'est le CPC a été créé, pas arrêté. C'est totalement inadmissible. Pour discuter des problèmes du pays, on crée un organe par arrêté. Ça veut dire que ça montre le niveau qu'on accorde à cela. Ça aurait pu être par une loi ou au moins par un décret présidentiel. Ça montre que c'est un niveau très élevé. Premier point. Deuxième point,
quel serait le sérieux qu'on accorde d'abord le fait que ce soit signé par et que ce soit créé par Arrêté Monde, d'abord le sérieux qu'on va accorder cela. Ensuite, le fait que les conclusions de la concertation CENAP, qui fait suite, qui est l'origine de la du CPC, donne des idées. Les conclusions ne sont pas appliquées. Les mesures sociales que la CENAP avait demandées, ce n'est pas appliqué. Alors, c'est inquiétant. Si le gouvernement met ça pour amuser la galerie, met ça en place pour amuser la galerie, c'est fortement regrettable. J'ose espérer que les acteurs ou bien les représentants des partis politiques dans le CPC feront des efforts pour se faire respecter, pour faire respecter les décisions qui seront prises. Ça ne doit pas être un organe où on transmet les informations, où ils prennent des décisions, qui ne sont pas appliquées. Dans votre absence également, il y a eu une nouvelle CENI. Non, là j'étais de retour. Vous êtes rentré quand? Non, je suis rentré il y a un mois, non, un peu moins d'un mois. Il me reste deux jours pour qu'il fasse un mois. Ah non, effectivement. La CENI a été renouvelée. Quelle est votre position? Est-ce que vous pensez qu'avec cette nouvelle CENI, finalement, les problèmes qui sont habituellement ceux qu'on colle? Non, les CENI précédentes, nous étions mieux représentés qu'actuellement. Donc il va de soi si vous comptez sur la CENI. En fait, sur les institutions électorales, CENI, Cour constitutionnelle pour gagner les élections, vous rêvez. Moi, ce que je dis pour les élections, c'est dans les bureaux de vote que ça se passe. Il faut que les populations sachent qu'ils doivent défendre leur vote dans les bureaux de vote et dans les centres de vote. Si je pense aux institutions du Congrès. Et puis une CENI, je trouve ça totalement incohérent qu'on parle d'une CENI avec des représentants des partis politiques. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose d'indépendant avec des représentants de partis politiques. Mais cela a été toujours ainsi. Cela a toujours été ainsi et j'ai toujours dénoncé cela. Non, mais en fait, vous proposez une CENI technique. C'est mieux. Bon, maintenant, les gens me demandent, mais est-ce qu'au Togo, on est sûr d'avoir des techniciens neutres? Bon, c'est une autre question. Mais quand même, si c'était mieux qu'avoir une CENI, au moins enlever le mot indépendant. Pour être logique, vous ne pouvez pas dire que des gens qui sont des partis politiques sont indépendants. Actuellement, c'est un genre de membrement du ministère, même d'une division du ministère de l'administration territoriale. À votre absence aussi, les partis politiques étaient restés relativement muets parce que les activités étaient interdites carrément parce qu'il y a la Covid. Est-ce que vous allez commencer au niveau de la DIP, aller sur le terrain. Mais certainement. Je vous ai dit que j'ai commencé, je vais continuer. Vous étiez à Dapan, vous serez où prochainement? Probablement dans la région des plateaux. On va finir cette émission avec une question qui me vient comme ça. Elle concerne la vie chère. La journaliste dit qu'une question vient comme ça. Elle concerne la vie chère, parce que beaucoup de Togolais reviennent sur cette thématique-là et tout le monde, non, c'est sérieux. Tout le monde vit cette vie chère. Mais on sait quand même que les Togolais ne vivent pas cette conjoncture de la même façon. Au Togo, il y a des milliardaires. Ouais, ouais. Et comment faire pour que ceux qui ont un peu plus partagent avec ceux qui c'est ce qui m'a surpris quand j'étais là-bas aussi. C'est cette solidarité qui ne semble pas exister chez nous. Les gens riches là-bas, parfois, certains créent des fondations. Combien de Togolais ont des fondations? Et qui sont riches? Il y en a plein. Mais ils font. Vous verrez des gens qui sont dans d'un village, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas l'école, il n'y en a pas. Alors comment vous pouvez dire que vous êtes des êtres humains, vous vivez dans un milieu pauvre. Et vous gagnez de l'argent, vous ne faites rien pour cette communauté. Évidemment, on dit que c'est les politiciens qui font. Mais j'ai dit non, le politicien n'est pas là pour faire cela. Si c'était ça, c'est les politiciens. En tout cas, la politique devait être faite uniquement par les riches. Le politique est là pour utiliser, entre autres, les ressources publiques pour rendre service, pour satisfaire la population.
mais ce n'est pas nécessairement par ses ressources. Dans beaucoup de pays, il y a les politiciens. Vous appelez donc à la solidarité. J'appelle à la solidarité. Merci d'être venu, professeur Megogé. Cette émission, elle s'achève. Je rappelle que vous êtes le président du parti politique. À 10, l'émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Venceslas Bogaku Doyor, merci pour la mise en œuvre technique. Moi, je suis Pierre Ouattiogué. Prochain rendez-vous dès 12 dimanche, 12h. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.